Démarre puisque le Quack reste pas très longtemps, il va décoller pour aller bosser. Salut le Quack, force à toi. Salut Tio Rob et bienvenue à tous sur le live. C'était pas prévu, mais du coup, on va faire lundi, mardi aujourd'hui, puis après je serai en congé. J'ai ma fille qui vient, il y aura sûrement des streams sauvages, mais pas de planning particulier. Vous êtes sur la chaîne du Kabuki, il est lundi matin, on est le 11 avril. Lundi prochain c'est férié, force à vous. Et puis voilà, hein, c'est Rune Factory 5, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai la patate, c'est lundi matin. Beaucoup de taf m'attendent ces deux prochains jours, donc il faut se motiver. On est sur Rune Factory 5, dans le dernier live qu'on avait fait, on a fini un morceau d'histoire. On a fini un arc en fait, et on a eu un espèce de générique de fin qui a bugué, qui a été squeezé. J'ai cru que c'était un bug du jeu. Mais je remercie Tatiana sur YouTube qui a laissé un commentaire sous la vidéo et qui nous explique qu'en fait on a terminé donc un arc et que c'est normal qu'il y ait cette espèce de générique puisque c'est un délire des devs en fait. Et là on passe à une nouvelle partie, un nouvel arc en fait hein, du jeu, un peu comme dans les animés. Et il devrait y avoir aussi, ce qu'elle nous dit dans le commentaire, un nouveau générique. Alors j'ai laissé tourner. Mais il n'y a pas de nouveau générique. Donc peut-être plus tard, c'est ce que nous verrons. Alors, juste avant de commencer, j'entends du bruit dans la maison. Je crois que c'est les chats. J'arrive tout de suite. Pas de panique, ce n'était pas les chats, c'était ce que j'appelle la tornade blanche. Voilà ma femme qui avait oublié quelque chose d'important, donc elle revenait vite fait avant de repartir au boulot. On est reparti, de toute façon on avait commencé plus tôt. Coucou petite panda, juste un petit coucou de la voiture, bon stream à toi, merci, merci, je sais que vous allez tous travailler. Bah, du coup on a le générique, hein, on va le regarder vite fait. Vous allez voir que c'est exactement le même. Alors j'espère que ça changera après. Alors au niveau de l'histoire, ce qui s'est passé, c'est qu'on fait un break au niveau de la CID, donc l'organisation qui nous avait donné du boulot quand on a débarqué à Rickbarth. Et du coup, on n'a plus le pouvoir, vous savez, pour attraper les monstres. Et en parallèle de ça, là, il y a Terry qui est son agent de détective qui nous a proposé du boulot en attendant qu'on soit en pleine réflexion, est-ce qu'on revient dans la CID ou pas. Parce qu'apparemment les gars qui ont monté la CID pour protéger les habitants en fait, hein, eh bien ils avaient d'autres intentions, un peu plus néfastes, de contrôle, de... Voilà, limite de dictature, je dirais. Donc c'est pour ça que Kegan nous a laissé le choix de la réflexion, est-ce qu'on continue avec la CID ou pas, par rapport à nos convictions personnelles. Et donc Terry nous a proposé des missions, puisqu'en fait on apprend que, comme la CID est débordée, elle fait parfois appel à Terry pour quelques missions. Donc on va continuer à bosser pour la CID, mais à travers les jobs qui sont proposés à Terry. Voilà où on en est, et on a déjà une mission, donc un nouveau lieu à visiter. On va regarder
tous ensemble et bien dans le résumé de l'histoire en fait. Voilà pour le petit off que j'ai fait entre le dernier live et celui d'aujourd'hui. Pas grand chose, j'ai surtout bossé les chants. Et puis je vais vous montrer une astuce pour monter l'artisanat, le forgeage, la cuisine, etc. Une astuce qui a été donnée par un de nos viewers qui s'appelle Des Shadows. Voilà, que vous verrez peut-être passer aujourd'hui ou dans un autre live. En tout cas, merci à toi Des Shadows. Et puis on va regarder cette petite astuce ensemble. Parce que bah, ça permet donc de fabriquer des choses. Donc c'est pas un glitch, hein, c'est tout simplement une astuce. On va fabriquer des choses qui nous permettent de refabriquer des choses et refabriquer à l'infini, comme il est prévu dans le jeu, c'est-à-dire de monter son expérience en fabrication, tout simplement. Et tout ça à moindre coût, si ce n'est des PR. Alors je voulais faire aussi un dernier truc avant de commencer le live, c'était modifier la taille de notre dernier sub. Parce qu'on ne voit pas complètement le nom de Kiniku. Voilà, Kiniku Mantaro, si tu nous regardes. C'est réparé. On est bon. J'ai changé de tenue aussi, je me suis fait un casque citrouille. Et j'ai eu une nouvelle tenue dans le jeu que j'ai mis, tenue de l'Est. Voilà. Alors, les poches sont blindax, on va les vider. Ça date de mon dernier voyage. Voilà, on est bon. Ok. Alors, l'astuce commence comme ceci. Faire de la pierre à bâtir. Avec un marteau, s'il vous plaît. Voilà, on commence direct dans le dur, les amis. Voilà, là, j'ai de la pierre à bâtir, on est d'accord. On vous conseille... Shadow conseille d'avoir du lait chaud. Préparer du lait chaud, donc d'avoir la recette si possible. En tout cas, lait chaud ou pas, d'avoir un plat qui rend l'intégralité des PR. Parce que il y a moyen de dépenser beaucoup de PR pour réaliser cette astuce. On aperçoit que j'ai encore pas mal de trucs dans les poches. Voilà, il faut aussi avoir de la place dans son sac. Ah, j'ai plus de place dans le frigo. Ah oui, c'est vrai que j'ai acheté plein de farine, etc. Alors, combien j'ai de place? Ah, ça va. Ouais, j'ai 14 places. Bon, je vais vous montrer 14 places, mais on peut le faire avec beaucoup plus. J'ai vu que j'avais aussi... Non, on est bon, là. Ouais, j'ai ça à ranger. Ah bah, il pleut, on n'aura pas à arroser, c'est parfait. Donc, je vais faire 2 places de plus, voire 4 de plus. Ok. Alors disons qu'on veut augmenter nos compétences en forge. Donc là, si on regarde. Pour la forge, je suis niveau 52. Avec 0%. Donc j'ai pris ma pierre à bâtir. Hop. Voilà. Et mon sac. Donc je vais sur la forge. Et je choisis une recette, une des dernières recettes que j'ai eues en fait, parce qu'il faut une recette la plus évoluée possible, on va dire, qui a le plus de coûts. Alors là, sur épée courte, j'ai lame cristalline, voilà, qui peut être pas mal. Alors on peut trier par niveau de compétence, hein. Donc là, on va prendre lame cristalline. Alors vous allez me dire, tu n'as pas les ingrédients, mais c'est le but en fait. Donc je prends lame cristalline, j'enlève les ingrédients, d'accord, et je prends une pierre à bâtir. J'en fais au maximum que j'ai la place dans mon sac à dos. Voilà, donc là je vais faire 18 lames cristallines que je vais foirer en fait, puisque j'ai mis une pierre à bâtir au lieu des ingrédients demandés.
C'est un échec, ce n'est pas grave. Et ici, on voit que mon échec m'a donné 8 ferrailles. D'accord. Si vous avez déjà de la ferraille, pas besoin de passer par la pierre à bâtir. Et donc, ce que je fais maintenant, c'est que je retourne faire cette arme. Épée courte, hop. Lame cristalline. Je vire les ingrédients. Et cette fois, je mets la ferraille. Je mets une ferraille. Et je vais au max de mon sac. On est passé à 16 puisqu'on a gagné en plus une ferraille plus, vous remarquerez. Hein. Voilà. Et je continue. Hop, je gagne des ferrailles plus en plus, c'est toujours ça de gagner. Alors ça bouffe des PR, c'est pour ça qu'il faut avoir des plats ou du lait chaud. Pour pouvoir continuer le plus possible, pas tomber dans les pommes. Et là, à chaque fois, ça me coûte 10 PR. Hop, là, j'en fais 16, ça me coûtait 160. En fait, on rate ce qu'on veut faire et ça crée d'autres matériaux. Et surtout, ça nous fait quand même de l'expérience en forge. En forgeage, comme ils disent dans le jeu. Alors ça marche pour l'artisanat, ça marche pour la cuisine, etc. Alors pour la cuisine, moi je mets juste une herbe. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire. Et après j'ai un plat raté, puis je mets un plat raté à chaque fois. Pour les potions, pareil. Et coucou des Shadow 49, je suis en train de montrer ton astuce. Alors j'espère que je la fais bien. Et justement, si t'as des commentaires, c'est super que tu sois passé parce que tu pourras agrémenter le commentaire. J'espère que ça va bien. Ah là, j'en ai fait qu'une. C'est pas grave. Donc là j'ai pris lame cristalline, c'est le truc le plus gros que j'ai, on va dire, en épée courte. Ah, il me reste 64. Et hop. J'ai pas de lait chaud, j'ai juste montré comme ça vite fait. J'ai parlé du lait chaud, bien sûr. Alors là on va voir. Donc on a pris un point de compétence. On était niveau 52 et 0 de pourcentage. Ok. Et là, on est... Tout sous la forge. C'est dur le matin, je vous le dis. Ah, voilà. Et là, on est déjà niveau 56, 3%. Je sais pas si vous voyez. On a gagné 4 levels. Assez rapidement. Hein. Le lait chaud, c'est là-bas, si tu veux travailler. Ouais, le lait chaud, c'est pour y aller à fond. Hein. Et du coup, tu voulais voir mes niveaux des shadows. Alors je suis à 53 de cuisine, 56 de forge, 47 de chimie, artisanat 35 pour l'instant. D'ailleurs on pourrait faire l'artisanat. Et pour la cuisine tu mets un plat raté, on est d'accord des shadows? Je vais t'appeler shadow, ça ira plus vite. Pour l'artisanat je mets une ferraille en fait. Alors... le maillot étincelant, c'est le plus fort que j'ai. Ah, par contre j'ai plus de PR, mais c'est pas grave, on va prendre sur les PV. C'est pas énorme. Ouais c'est ça, ok. Et pour la cuisine c'est un plat raté. Et pour la chimie j'ai des potions ratées, donc au début je mets juste une herbe à la con, une mauvaise herbe même, ou une herbe normale. Bon, on a déjà pris un point de compétence parce que l'artisanat il était qu'à 34 je crois. Enfin voilà, c'était la petite astuce du matin avec les... On crédite des shadows qui nous l'a transmis sur un autre live. Voilà. Chez un autre streamer. Et je lui avais dit, bon, je prends ton astuce et j'en parlerai dans mon live. Chose promise, chose due. Alors, les poivrons, ils sont quel niveau là maintenant? Ils doivent être 4 ou 5. Niveau 3 toujours, ok. Alors on va
On va récupérer les autres. Alors oui, ok. Alors je suis content qu'il pleuve parce que j'y ai passé. Là je commence à passer des demi-journées, voire des journées dans mes champs. Parce que j'ai cultivé sur tous les dragons et ça commence à prendre du temps en fait. Hein. Ensuite, pour la cuisine, au début, j'utilise des navets pour avoir des plats ratés. D'accord. Bah, je sais plus ce que j'avais utilisé, mais j'avais aussi un plat raté. Comme base, ce qui donne potion ratée que j'utilise en boucle. Ok. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai fait sur la chimie, tu vois. Sur la chimie, bah, j'ai des potions ratées. Et les ferrailles plus, ça sert à quoi? En fait, c'est de la ferraille, c'est pour améliorer les armes, etc. Ça, c'est l'amélioration des armes et des armures. C'est un truc que j'ai pas encore bien pigé. J'arrive à fusionner deux fois la même arme, par exemple, pour la faire monter de niveau. J'arrive à mettre un élément d'amélioration, mais je... C'est vrai que ça reste... Il faut toujours lire, en fait, ce que ça apporte. Et je sais pas si ça, par exemple, je sais pas si ça, qu'est-ce que ça apporte d'avoir une épée niveau, par exemple celle-là, je l'ai montée niveau 9. Ça augmente un peu l'attaque, on va dire. C'est vrai que c'est encore un petit peu obscur pour moi l'amélioration. Bon, en même temps, on est tellement gros build pour l'instant, on voit pas trop la différence, on craint pas trop grand-chose dans les combats. Utiliser ferraille plus au lieu de la ferraille, vu que ça va rater, ça te donnera de la ferraille. Non, je parlais en fait dans la vie normale après. Sans faire l'astuce. Alors. On va ranger pierre et bois à bâtir. Et on va aller voir là-haut. Alors là-haut, j'ai fait bosser les... J'ai fait bosser les animaux, les monstres. À quoi que je les ai peut-être envoyés à un moment donné. Non, ils sont toujours là. Okay. Donc, ils ne cueillent pas. Ils peuvent semer, mais pour l'instant, on n'est pas assez amis. Et surtout, ils arrosent. Bon, là, il pleut aujourd'hui. Mais sinon, c'est bien pratique parce que j'en ai mis 3. Ils arrosent chacun une bande. Il faudrait que je fasse pareil sur mes autres dragons. Sauf qu'en fait... Bah comme je suis à l'acte 2 et que je n'ai plus le pouvoir d'attraper les monstres, ou que j'ai quitté la cible pour l'instant, bah je peux plus choper d'autres monstres. Voilà, voilà. Ah sinon ça sert à rien la ferraille plus, ok. Parce qu'en fait quand je vais là, tu vois, et que je regarde en bas à gauche, je vois matériaux d'amélioration. Comme d'autres matériaux d'ailleurs, hein, comme la ferraille, comme... comme la ferraille pour l'instant, j'ai rien d'autre dans les poches. Par contre, j'ai une question pour toi, les monstres que l'on capture, on peut les relâcher? Oui, pour moi, oui. Si je vais dans la grange, si je vais dans la grange, je peux dire à un Strum de se barrer. Je prends le poivron. Renvoyer à la forêt des commencements. Et là, pour moi, pff, salut. D'ailleurs, je crois que je l'avais fait pour un monstre au tout début du jeu. Alors, si vous faites bosser vos monstres à la ferme, vous aurez quand même leur loot dans la grange. Hein. Là, l'araignée, elle est dehors, mais j'ai quand même son fil. Ok, quasi pas de bonus pour le ferraille plus. Une mission qui me demande de capturer 50 mondes, ben tu pourras les relâcher, hein, selon moi. Alors, le fourrage, c'est là.
Bon, on est pas mal là. Alors, on va changer de dragon. Moins Y pour ceux qui savent pas. Et on a accès à tout ce qu'on a visité. Et on va sur le dragon de feu directement. Où là, je n'ai point d'animaux. Au début, j'ai pensé bêtement que le dragon de feu, bah, c'était pour les fruits d'été, le dragon de glace, les fruits d'hiver, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que non. Bon, juste des terres en plus cultivables. Bon, bah là, tout va bien. D'ailleurs, j'ai passé une journée complète dans le jeu à faire tous les champs. À récupérer avec la serpe ce qui avait poussé. Non, je fais pas la technique des ressources infinies. Qu'est-ce que la technique des ressources infinies? Ah, tu parles de pierre et bois? Oui, ça je le fais, je le fais de temps en temps. En fait, je le fais sans trop le faire. Mais si j'en ai besoin, je sais que je peux avoir ça en infini. Non, je les casse pas, mais je reviens pas X fois. Je fais pas des X allers-retours pour avoir un max de matériaux. Bah, sauf si j'en ai besoin, quoi. Et ça, oui, j'en avais parlé dans les premiers lives. Ainsi que l'usine à XP, que tu dois connaître. D'ailleurs, je me demande si avec l'usine à XP, on peut pas monter... Tu vois le chiffre, là, les points. Alors, je pense que c'est des points de rune. 2438. 2438. Est-ce qu'on peut pas l'améliorer à l'usine à XP en faisant de la magie? Il pleut plus là. Du coup, c'est pas mouillé ici. C'est un peu relou. J'ai plus d'eau. Ok. Go la piscine. Le petit puits. Ah si, apparemment c'est mouillé. Ok. C'est un peu le bordel dans mes champs, j'en conviens. Non, je vais aller sur le dragon de terre. Je vais regarder si on peut améliorer les points, parce que j'aimerais avoir une cuisine tout en un. Il me faut 5000 points. Alors, ça c'est mon usine à XP que tu dois connaître. Shadow. Donc là j'ai 2438 points. Et quoi en capacité runique? On va mettre quoi? On va mettre ça. Désolé pour le bruit. À 2438 du coup. J'essaye un petit coup. Ah, ça réveille le matin. Hein, ouais, donc je sais pas comment on augmente ce chiffre. Si toi tu sais, ça m'intéresse, Shadow. On doit être à 100 heures de jeu et ou 60 ou 80. Et il y a encore plein de choses que je ne sais pas dans ce jeu. C'est un truc de ouf. Et il y a encore quelques endroits de la carte à visiter, puisqu'on est qu'au tout début du deuxième arc. Qui est plus long que le premier, de ce que j'ai vu. Ouais, je pense que c'est les pas les PR. Ah oui, c'est le max, c'est le PR max, c'est ça? Là, ce qu'il y a en dessous de la thune. On a 2438 points, je pense que c'est des PR. Mais c'est, enfin, c'est pas les RP, non, c'est 1219 le max RP.
Donc PR et RP, c'est pas la même chose, de ce que je comprends. Les points de seed, merci. Alors, les points de seed, bah, c'est en faisant des missions, etc., je suppose alors. Ça veut dire que là, actuellement, on peut plus les augmenter. Ok, c'est en faisant, créant des missions. Ok, merci. Alors, on a monté un peu l'artisanat tout à l'heure et surtout les armes. On va acheter du pain d'armes pour voir si on peut, si on a augmenté. Et puis, on va recruter pour partir en mission. Et on va avancer l'histoire du coup. Ah, juste en tuant des monstres? Non, en faisant des missions en fait. Alors. Bonjour Béatrice, te revoilà alors. Oh, comment vas-tu Kabuki? Bienvenue. La jeune demoiselle est comme ça depuis son arrivée. Quelque chose ne va pas, Béatrice? Excuse-moi, Randolph, Yuki, j'ai une requête à vous soumettre. Voulez-vous bien m'apprendre à cuisiner? Quoi? Oh, ces brioches de l'autre jour m'ont vraiment impressionné. J'ai senti rien qu'à leur goût que vous y avez mis tout votre cœur. J'aimerais donc beaucoup cuisiner pour mon propre plat. Je pourrais alors partager avec nos voisins pour leur prouver ma gratitude pour la gentillesse dont ils ont fait preuve à mon égard. Béatrice, je vois. Jeune demoiselle, la cuisine nécessite beaucoup de temps et de nombreux efforts. Et nous sommes la seule pâtisserie de Rickbars. Nos préparations nourrissent toute la ville. Ça ne sera pas du gâteau, j'aurais dû m'en douter. Tu dois préparer la pâte, la laisser monter, puis la cuire. Il serait stupide d'essayer de s'y frotter seul. C'est pourquoi je vais t'assister à chaque étape de la préparation. Oh oh oh! Oh, par tous les saints. Pas pour nous, mort de rire. Randolph, quel filou tu fais? Remonte tes manches, Béatrice. Nous avons des brioches à préparer. Oui, merci. C'est super, Béatrice. En effet. J'ai finalement réussi à prendre mon courage à deux mains pour leur demander ça, et c'est entièrement grâce à toi. Hein? Hé, rien. Je vais réunir les ingrédients pour demain maintenant. Quels sont les ingrédients dont tu as besoin? C'est un secret. Ce seront mes brioches après tout, je dois réunir les ingrédients moi-même. S'il te plaît, garde ça pour toi, je tiens à ne pas gâcher la surprise. Vraiment? Je ne dirai rien alors. Pendant ce temps, je devrais aller parler à Simone. Je vais lui demander de réunir tous les habitants de la ville pour une dégustation. Tu as toute ma gratitude. Mais avant ça, nous avons des choses à faire. Du pain d'armes, parce qu'on a fait, on est monté de 52 à 56. Chimie. On va se prendre une recette quand même. Quoique, on nous en vend 4 au. Ah, il y en a plus? Ah, ok. J'ai tout acheté. Alors, hop. On va commencer par le pain d'armes. Alors, point de feuille, ferrailleuse, gant de frappe, ok. Grand marteau et lame jumelle. Ok, donc ça c'est cool. Hein. Pas de chimie, je sais pas si où j'en suis de la chimie. Non. Pas d'artisanat.
Aubert en platine. On a toujours pas ni d'argent ni d'or dans le jeu. Alors qu'on a plein de recettes pour ça. Et pain d'outils, je crois pas. Non, ok. Alors on va emmener Priscilla, comme d'hab. On va acheter des pains de cuisine. Ah, j'ai débloqué la cuisine collaborative aussi. Alors moi, l'épée longue, je l'ai. Je suis level 95, lame double 101 et point arme de pugilat 78. Sinon, les autres 20 à 30. Ok. Du coup, tu les améliores comment Tu fais l'amélioration à la forge, Shadow? Un typhon approche. Oh non, ça veut dire que je vais devoir fermer mon restaurant. Je n'ai pas d'autre choix, il n'y a rien à faire, c'est la vie. Encore un typhon, les amis. Oh non. As-tu déjà pensé, tu aimes cuisiner, as-tu déjà pensé à tenir un restaurant comme le mien? Ah, alors c'est ça que tu veux? Wow, c'est vraiment la championne des recettes rapides et faciles à réaliser. J'avoue que... Ah, avec la ferme à XP. Ah, ça monte les levels. Ah oui. On parle des compétences, excuse-moi. Il y a les compétences, il y a les levels d'armes aussi. Allez, on prend Elge avec nous. On continuera l'histoire de Béatrice plus tard, parce que j'ai vraiment envie d'aller explorer la zone de la mission de Terry. Et on va prendre Lucie, allez. Hein. T'es au courant qu'un typhon approche? Je suis excité comme une puce. Priscilla est si douce, attentionnée et travailleuse. Elle est tout ce que l'on cherche chez une personne. C'est un honneur de pouvoir l'appeler ma meilleure amie. Alors si tu fais quoi que ce soit pour la rendre triste, tu le regretteras. Est-ce que c'est bien clair? Au fait, partons ensemble. Allez, c'est bon. On va se téléporter pour vider les poches. Donc en ce moment, j'ai travaillé l'histoire, j'ai travaillé un petit peu les compétences, les champs, mais pas trop le social. Ça fait une bonne semaine dans le jeu que j'ai pas fait de cadeaux, etc. Mais ça reviendra, on peut pas tout faire malheureusement. Alors, je crois que j'ai plus trop de place dans le frigo malheureusement. Ouais. C'est un peu la misère. Et les poivrons, ils sont au niveau quoi? Niveau 3? Ouais. Ouais. Pour l'instant, c'est le plus haut niveau que j'ai, je crois. Ouais. Est-ce que j'ai pas des trucs inutiles là-dedans? Pas mal de choses quand même. Là, quand je pars en XP, j'aime bien avoir de la place dans les poches. On peut ranger les potions ratées. On peut pas y mettre des plats. Est-ce que j'y range les pains? J'ai peur de les oublier après. Ah, je vais vendre quelques trucs. En plus, j'ai une mission où je dois expédier un max de choses. Agriculture 32, abattage 79, extraction 91. J'ai vu que ça montait bien l'extraction, ouais. Ah ouais. Ah, t'es allé haut, là. De toute façon, on peut pas aller plus haut que 99, hein, c'est le niveau max. On me pose souvent la question sur le live, Shadow. Il me semble que c'est 99, pour moi. Enfin, ça paraît logique. Je sais pas si on peut le dépasser.
Exceptionnellement, on va balancer un œuf et du lait pour la mission. Allez, on part avec les meufs. Lunettes de soleil et tout. Alors là où on doit aller, j'avais commencé un tout petit peu hier soir sans vous, puis j'ai dit je vais vous attendre pour l'histoire. J'ai juste rencontré un personnage un peu chelou qui m'en veut de quelque chose. Voilà, je vous en dis pas plus, on va sûrement la recroiser. Et puis voilà, et puis on va regarder aussi dans le suivi de l'histoire. Jamais où c'est, voilà, événement. Il est temps d'accepter cette mission spéciale et de nous débarrasser des monstres de la prairie de Gadeus. Donc l'acide doit aller liquider des monstres, ils n'ont pas le temps, ils ont moins de personnel hein, vu qu'on a quitté. Et du coup on doit aller faire le nettoyage. Ah ouais, la maîtrise des armes c'est plus que 99. Ok. Ouais, y a du taf. C'est quoi 999 alors tu penses? Bien par là qu'on doit aller. Ah bah j'avais un autre point. Ouais. Ça ira plus vite. Ah, j'ai pêché aussi des calamars exotiques. Je crois que t'as déjà eu Shadow. Mais j'en ai eu deux d'un coup en plus. Sur une seule pêche. Ah, ici il y aurait quelque chose apparemment. Pas ça. J'ai vu des coffres sur les persos. C'était pas ça quand même, c'était pas une branche à la con. Je sais même plus où c'était, ça y est, je suis perdu. Alors j'arrivais de là. Bon déjà on va liquider ce truc là parce qu'il me saoule. Voilà. Ah si, ça devait être l'espèce de brindille apparemment. Non, calamar exotique ici. Un soir vers 21h, un truc comme ça. Dans ce lac là, si pour info, ça peut te servir. Juste là en fait. J'ai pas une canne de fou, hein. J'ai juste la canne du débutant. Voilà, canne à pêche du débutant. Et ici du coup bah, je pêchais, et puis d'un coup j'ai eu calamar x2 en fait. Voilà, s'il y a des gens qui le cherchent, regarde les VOD. Du coup, c'est par où que je vais. On va continuer là-haut et aller ici. Non, c'est pas ici en fait, je suis parti en sucette. Quoi. Et là. Allez hop, on revient. Et encore neige, j'en ai eu, je crois, ouais. Ouais, j'en ai eu puisque j'ai fait un sashimi, je crois. Ouais, les blancs, ouais, j'en ai eu, ouais. Alors, c'est par là que ça se passe, ça y est, je m'en rappelle.
Ouais, ça se revend plutôt bien, mais avec le coût du curry royal, voilà. Alors pour l'instant, je suis un peu dégoûté de plus faire partie de la cible parce que j'aurais bien chopé ces petits chats là. Ah, ça viendra plus tard. Ici. On baisse un tout petit peu le son, voilà. Un petit homard, c'est cool. On est bon là ou il y a encore du strum? Ah, il y en a encore là. Ah, j'allais dire qu'on change de capacité runique pour soigner. Mais c'est un petit peu tard. Le soin, il est là. Hein. Ah non, c'est bon, j'avais oublié que dans le précédent live, j'avais remarqué qu'on pouvait les relever. C'est vrai que je les emmène pas souvent, donc ils sont pas trop au niveau. Oui, j'ai un Discord, point d'exclamation Discord Shadow. Alors, il est pas hyper vivant, hein, mais je suis dessus si tu viens parler sur le général, etc. On a même une petite section en Rune Factory. Mais bon, la chaîne démarre entre guillemets à la chaîne à un an. Et le Discord, bah, pour l'instant, bah, il avance tranquillement. On est une trentaine dessus, mais on doit être 4-5 à papoter pour l'instant. Peut-être un peu plus. Mais n'hésite pas à venir avec plaisir. Alors maintenant, le midi, on va faire du 13 sentinelle. C'est un fucking jeu. Et du coup, je me suis retenu ce week-end d'y jouer. Hein. Je vous ai attendu pour l'avancer. Parce qu'on s'était arrêté pile poil à un nouveau chapitre. Au début, je me suis dit, je vais faire une sauvegarde parallèle et le faire deux fois. Et puis, du coup, je me suis dit, non, allez, on va le faire ensemble. Alors, je crois que je viens de là, non? Je ne sais plus. C'est là-bas que je dois aller. Ouais, ça marche. Ok. Ah oui, les petits korobus que j'avais vu chez Yume. Alors, je sais pas si ça fait monter leur stade de faire des attaques spéciales au PNJ. Trop long maintenant, tout jaune. Reine des abeilles. Ils appellent ça. Ah,
Ces graines de carottes, là, honnêtement. Elles sont niveau 1. Yo Gumo, écoute, ça va bien. Et toi? C'est lundi matin. J'aurais pas dû être là, puis finalement, je me suis dit, vu tout le taf qui m'attend et que j'ai que 2 jours de taf, là, parce qu'après je dois laisser un backup, etc. Je dois préparer ma sortie parce que je serai pas là le reste de la semaine au taf. Je vais rester à la maison. Ça me permettra d'avancer plus vite. Et peut-être même de finir un peu plus tard le soir, ça, au lieu de prendre les transports. Et du coup, bah, je suis à la maison pour stream. Hein. On est là. Je viens de me réveiller. Et bah écoute, bon réveil. On est en pleine baston. On doit nettoyer une zone en fait. Et c'est le lundi matin, on se réveille tranquille. Donc je sais pas si on doit éclater tous les strums. Ou aller juste au bout de l'endroit. Il y a sûrement des plein de trésors que j'ai loupés. Mais c'est pas grave parce qu'on reviendra. Ça fait du bien d'avoir une vraie nuit. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'il y a? Ben non, j'ai pas envie de te parler, je veux juste à choper des herbes. Ça, c'est vraiment une réflexion de daron, Gumo. Ah, j'ai déjà plus de place, c'est la misère. Alors ça, déjà, ça dégage. Hop. Ah, il y aurait un trésor par là. On va déjà killer les monstres. Saleté de frelon asiatique. Ah mince, je suis paralysé. Vous disiez, ça sert à quoi les potions anti-para? Que je n'utilise jamais. Je crois que j'en ai plus, j'ai dû les ranger dans le coffre. Voilà, ça fait plaisir. On va marcher à 2 à l'heure. Et encore du strum. Ah oui, oh là là. Ah, 4h du mat, ok. Donc aujourd'hui pas de taf, c'est ça? Ou t'as loupé le réveil? Ah, c'est chiant quand on n'a pas d'antipara là, je vous le dis. C'était où les... C'était par là, je crois. Ah, je vais pas faire tout le jeu comme ça. Ah, t'as un gros build du coup, comme on disait à l'époque, Shadow. Rien ne t'atteint. Alors quand j'étais par là tout à l'heure, ah peut-être celle-là, ouais, allez. Non. Ah, ça doit être écrit de toute façon. L'herbe de la passion, l'herbe qui porte chance, l'herbe des riches, c'est ça que je vois, l'herbe qui rendra riche. Herbe bleue géniale qui est froid de toucher. Effet apaisant. Ouais, mais j'ai pas d'herbe. Ah, c'est moche. Ah oui, donc là il y aurait un trésor d'après d'après Elge. Il doit avoir un petit A qui s'affiche, non, quand je... Donc c'est pas les herbes.
Non, ça c'est visible. Alors là, ça a disparu, le petit coffre à côté de Edge, voilà. Pas ça quand même. Apparemment, si c'était un champignon. D'accord. Même avec le soin, c'est mort. Oh là là, la loose. Qu'est-ce qu'on a là? Un caillou. Et salut Seb Burnett. Comment ça va depuis hier soir? J'étais à fond sur Red Redemption. Je suis passé. Non, bah là on est paralysé, c'est la merde. J'ai le chat qui veut rentrer, comme d'hab. J'arrive. Et ça va bien, nous dit Seb. Mais tant mieux. Ah oui, bah c'est normal. J'aime bien passer sur les lives, surtout quand il y a des gens qui passent chez moi et que je sais qu'ils live. Alors qu'est-ce que je vais relâcher là, un plat râpé. Ah mince, j'ai donné à quelqu'un. Tant pis. Saleté de frelon. Bienvenue dans le live le plus lent de l'histoire. On ne peut pas courir parce qu'on est paralysé et que j'ai pas pris de potion avec moi. C'est la première fois en 80 heures de jeu que je suis paralysé dans Rune Factory. Il y aurait des herbes anti-para, il va falloir les trouver. Ah. Ah, une brique de lait, ouais. Que j'ai comme herbe, j'ai même pas les petites herbes vertes là. Si je mange un champi, ça va rien faire. À part de la place. Bon alors, on fracasse ou pas? Oui. Alors, on peut essayer de manger un petit peu tout ce qu'on a trouvé. Ah, on n'a pas des plats qui enlèvent la paralysie? Non, c'est dommage. Alors, du coup... Plante rouge, ça marche pas. La jaune. Non plus. Ah, en plus, tout le monde se barre. Merci l'équipe. À 19h, tout le monde se barre. Faut le savoir. Ah, Lucie reste ou pas? Non, elle s'en va. Alors. Et par où j'allais d'ailleurs? Par là-bas, je crois. On n'est pas rendu. Je crois que je vais être obligé de rentrer, hein, les amis. La rouge, j'ai essayé. Tac, la bleue, j'y crois pas non plus. Non. Pendentif en argent, cool.
Bon, on va se rentrer, puis on reviendra faire la mission dans le prochain live demain matin. Un peu mieux préparé. Ouais. Ça va qu'on n'a pas besoin d'eux, hein, mais bon. Bah, du coup, je vais pas pouvoir me téléporter si j'ai un truc dans la main. Qu'est-ce que je vais pouvoir céder? Classer tout ça. Alors, hop, ouais, ouais. Bah non. Bah le foin à la limite. Allez. Allez, c'est cadeau. Et je me barre. Du coup, tu joues à quoi d'autre que Red Redemption, Cybernet? C'est quoi ton type de jeu? Est-ce que... Parce que comparé au jeu que tu faisais, bah, je vais dormir. Hein. C'est un peu plus peace hein, ce qu'on fait là, nous. C'est quoi tes jeux de prédilection, Cyberpunk? Bon, normalement, je suis plus para. Ok. Une compétence. Il fait beau. Pas de typhon pour l'instant. En tout cas, j'espère que c'est dans cette zone qu'on va commencer à trouver du minerai d'argent, parce que j'ai plein de recettes, mais j'ai pas de minerai. Et du coup, Shadow, est-ce que tu as trouvé ton trèfle dans le jeu ? Dommage, on a sacrifié une plante. Ah oui, c'est vrai qu'on a plus de place. C'est pas en dormant qu'on fait de la place dans les poches. Vieux de boulot, bonne journée à vous. Ben moi j'y vais dans 3 minutes, Seb. Hésite pas à repasser demain si t'es dans les mêmes horaires. Et sinon on fait 12h30, 13h30 pour la pause déj et bon courage pour le boulot. Non, toujours pas, c'est pour ça que j'ai fait une tonne de missions. C'est bizarre parce que il me semblait avoir vu pas mal d'astuces pour les arbres avec du trèfle, etc. Mais il me semblait pas que c'était à la fin du jeu qu'on allait choper ça, quoi. Comme t'as bien pensé le jeu, je me dis merde, il a toujours pas trouvé de trèfle, c'est chelou. Ça doit être vraiment galère à trouver, quoi. Ça commence à avoir les poches bien pleines, hein. Ah, des bottes en argent, on n'a pas à en fabriquer, ça c'est bien. Défense plus 16, ok. Alors du coup, on va ranger les bottes de base, enfin, les dernières qu'on avait fabriquées plutôt. On va pouvoir semer des carottes. J'ai cherché sur internet, mais idem, c'est pas clair ce qu'ils disent. Est-ce que tu es allé sur le site NeoSeeker? Et Wikifandom? Wikifandom, moi, c'était... C'était, je crois que chez Kiri qu'on l'avait eu. C'était toi qui l'avais donné, je sais plus. Ça c'est bon, on peut le cumuler. On peut même faire des frites dans le jeu, je trouve ça génial. On aura ça à semer. Alors, il y en a qui disent qu'on peut l'acheter, d'autres qu'il faut le faire en mission en rapport avec les fleurs, et d'autres qui disent que c'est dans les coffres. C'est de quel jeu que vous parlez? Et on parle de, bah, de celui-là, de Rune Factory. Où en fait, il y a moyen d'avoir du trèfle pour améliorer la pousse des arbres. La qualité de la terre, en fait. Pourquoi je reprends des objets, moi, alors que je suis full? Et voilà. Ah, il faut que je sème ici.
Il me semblait avoir récupéré plus de poivrons que ça. Bon, pas grave. On se détend, pas de stress. Alors moi, il me faut juste un seul. Faut créer un anneau qui augmente les chances de drop. Ok. Ouais, Gumo, en fait, ce jeu est très poussé. Hein. Il y a, bah, déjà, on peut monter toutes nos compétences en 99. Pour les armes, c'est plus haut. Ça a l'air d'être beaucoup plus haut. Il y a plein de missions à faire, plein de. Puis, au niveau gestion, il y a plein de. De choses à gérer quand même hein. au début la maniabilité semble chelou puis après on s'y fait. Non, j'irai voir après Shadow, quoi qu'il est ouvert mon Discord. Alors c'est vrai que maintenant j'ai 16 gigas de RAM, je peux faire plusieurs choses en même temps. Wow, 8475 en attaque, 7000 en défense, ok, tout va bien. 6000 en défense magique. Ah tiens, elle est vraiment en gros bourrin là. Hop, je retourne sur le chat. Ouais, ouais, je viens de voir. Alors, on plante quelques graines et puis on va se laisser parce que bah, c'est 8h30 et qu'il va falloir que j'aille bosser. On retourne en IRL là. Allez, un petit point de compétence en agriculture, ça fait pas de mal. Ok, là tout est semé et puis on. On fera l'arrosage et tout le reste, peut-être un off, et puis on retournera là où on était. Dans le prochain live demain matin, on attaquera direct, bien équipé, avec des potions anti-para, cette fois-ci, bah pour avancer dans, et puis nettoyer la zone, pour me demander. Non, pas l'IRL, eh ben si, il faut retourner en IRL, on enlève la tête de citrouille, et on va bosser. Tu bosses ce matin, Gumo? Tu bosses plus tard ou t'es en RTT ou j'ai pas vu si tu me l'as dit. Moi je suis en TTV, télétravail. Alors le mode studio, on prépare l'outro qui est l'intro en fait pour l'instant. Et puis on va se dire bon courage. Et bien force à vous. Merci Shadow d'avoir été là ce matin. Merci Gumo. Une petite pensée pour Seb qui est et Panda et le Quack qui sont au boulot. Voilà, ils sont passés faire un petit coucou en début de live, mais ils sont déjà au taf. Et Gumo qui reprend le taf que jeudi, tranquille pépouze. Mais je penserai à toi jeudi, Gumo, parce que moi je suis en congé demain soir pour une semaine, donc ça va faire du bien. Et oui, hier soir tu y étais pas, hein, petit coquin. Donc ce soir, le live de Gumo, on y sera évidemment. Je vous fais des bisous, des checks. Et puis je vous dis à midi et demi. Ouais, rendez-vous à midi et demi. Guillaume, tu n'as pas d'excuses, tu ne travailles pas. On va continuer 13 sentinelles. Voilà, on va essayer de faire une heure assez intense pour avancer l'histoire. Et on va recommencer, enfin on va continuer exactement là où on s'était arrêté. Un petit coucou aussi aux youtubeurs. Merci les youtubeurs de vous abonner, de commenter et de regarder autant les vidéos. Ça fait plaisir. Donc je vous dis rendez-vous à midi et demi pour tout le monde, ceux qui suivent les lives en direct. Midi et demi pour 13 sentinelles à Egistream. Allez, j'envoie directement en fondu 850 millisecondes. Là ou trop. Bye bye.